Bienvenue donc au gîte de Kérodi. Il s'agit ici d'une maison d'un ancien corps de ferme. Ce gîte se situe donc sur la commune de Ploumillot. Il est rattaché au petit village de Kérodi. Un petit village très typique avec de très jolies maisons en pierre. Vous êtes ici à 20 minutes de la côte de Granit Rose, dans une région touristique très intéressante. Et sans faire beaucoup de voitures, vous pouvez tous les jours vous occuper pendant 15 jours, 3 semaines, sans vous ennuyer. La mer, de toute manière, elle est à 5 minutes. Et vous êtes aussi tout près de l'Agnon, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Et il y a aussi des personnes qui préfèrent profiter du jardin, qui peuvent passer l'après-midi ici et sans avoir envie de bouger. Il a été classé donc de nombreuses fois, il a eu un prix départemental, d'ailleurs, deuxième prix départemental, du temps où c'était une ferme, parce que c'était une ancienne ferme. Et le jardin, d'ailleurs, a été fait à la place d'un hangar. Il a eu de nombreux prix aussi au niveau de la commune. Dès que ça a été mis en place, donc ce gîte a été labellisé. Il est fleuri donc toute l'année, on va dire. Le jardin a été fait en plusieurs étapes. Il est composé de 5 ou 6 parties. Il est très riche en essence. Vous avez de nombreuses variétés de camélias, de plantes de terre de bruyère, de rosiers, de plantes vivaces. Il y a aussi beaucoup d'arbres parce que c'est ma passion. Alors pour les passionnés de plantes, évidemment, ils y trouvent leur bonheur. Il y a de nombreux échanges, puisque donc l'horticulture, c'est mon métier, plus exactement le paysage, puisque j'enseigne à des futurs paysagistes. J'aime la nature, j'essaye de le transmettre aux gens qui viennent. Et ça arrive que des gens n'ont pas envie de bouger, parce qu'ils y trouvent le calme, la tranquillité, vous avez le chant des oiseaux. C'est un endroit où on peut se ressourcer. Et si vous regardez donc dans ce livre d'or, il y a des mots qui reviennent souvent. Accueil sympa, charmante maison, merveilleux jardin. Paradis de verdure, paradis de tranquillité. Quelqu'un m'a dit que cette maison ressemble à une maison de famille où on vient et on revient. De plein pied, vous avez les toilettes, la salle de bain, la cuisine, le séjour. On a l'impression d'être chez soi quand on y vient, quoi, en tant que locataire, on va dire. À l'étage, vous avez donc, on va dire, 3 chambres. Chacun y trouve sa place et puis... Chacun vit sa vie et puis il y a aussi des échanges intéressants. Le cadre est très reposant. Pour les enfants, c'est un endroit aussi de rêve puisque donc il y a l'étendue, le jardin spacieux. Dans ce cahier, quelqu'un disait, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir.